Salut à vous chers abonnés. Une fois de plus bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube 100% dédiée à l'actualité camerounaise. Nous espérons bientôt que vous soyez plusieurs milliers d'abonnés à travers les territoires qui nous suivent et partagent nos vidéos. Un grand merci encore à vous qui êtes abonné. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, aimez la vidéo enfin qu'elle soit vue par tout le monde. Abonnez-vous si c'est votre première fois sur cette chaîne et surtout activez la cloche de notification pour ne pas le PR. Jean-Claude Chandaton souhaiterait que la cafou marche sur les pas de l'Algérie. En effet, l'homme politique a adressé une correspondance au président de la FECAFU, Samuel Etou, avec pour objet, demande d'informations sur vos démarches auprès de la FIFA relativement à l'arbitrage biaisé du match Cameroun-Portugal comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde féminine, fermer les guillemets pour l'homme politique, le Cameroun ne devrait pas se contenter de cette élimination. Et donc, saisir les instances du football mondial. Il me plaît de solliciter votre rassurante autorité d'instance en vos pouvoirs, prérogatives, privilèges et distinctions, à l'effet de connaître quelle démarche vous avez entreprise pour protester auprès de la Fédération internationale de football, FIFA. fermer les guillemets, que crie-t-il à l'endroit de Samuel et tout point pour champ d'atomes, la couleur de la peau y est pour beaucoup dans cet arbitrage controversé. A ce propos, je ne manque pas d'éveiller votre attention sur la pratique de racisme en vigueur dans le sport mondial particulièrement concernant les sports collectifs, chaque fois qu'une formation africaine affronte une formation européenne. Fermer les guillemets dénonce-t-il le président du MPDR, demande à la fédération de déposer une plainte. Ou d'exiger que le match soit rejoué. Pour rappel, le Portugal a éliminé les Lyons indomptables sur le score de 2-1, le mercredi 22 février 2023, privant ainsi le pays de participer à sa troisième phase finale consécutive d'une Coupe du Monde.